D'un mois après l'organisation du premier numéro, l'initiative Café RSE a regroupé ce jeudi 13 décembre 2018 à Azalaï Hôtel de Cotonou plus d'une cinquantaine d'acteurs du secteur privé et public, les partenaires techniques et financiers au développement, les élus communaux, les hommes des médias, ainsi que des membres des organisations de la société civile. Tous s'étaient réunis pour dialoguer autour des questions de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Cette initiative d'engagement de la responsabilité sociale et environnementale ne cherche pas à donner bonne conscience aux entreprises, mais se veut plutôt un levier de conscience, un levier d'innovation, de transformation pour l'entreprise. Développer le Bénin tout en régulant et en structurant certaines normes environnementales et sociales, ça va nous permettre d'être un pays dans le futur qui sera développé tout en ayant de fortes valeurs et de forts principes de respect de l'environnement et de responsabilité sociale d'aide à la commune et à la société en général. Organisé par l'ONG EcoBénin et RSE Bénin avec l'appui financier de l'IUCN en Pays-Bas, cette initiative est une démarche volontaire de dialogue qui invite les entreprises à présenter leurs actions de bonne pratique RSE au public. Nous plantons du bois sur un domaine de 20 hectares, du bois de teck qui est intouché jusqu'à aujourd'hui et qui est fait en partenariat ou bien sous la tutelle de l'ONAP. En plus de cela, nous avons développé des dortoirs pour les formations techniques des jeunes. En accord avec le ministère de l'Éducation et avec des institutions telles que l'Université d'Abomey-Calavi. Sim Bénin du groupe Heidelberg Cimenté et la société ATC Industrie de Bois étaient à l'honneur de ce deuxième numéro de Café RSE. Les deux structures dépendent au même titre que d'autres entreprises des ressources naturelles et ont un impact sur l'environnement. Elles en sont conscientes et chacune de ces structures développe une politique d'engagement RSE. Nous avons une usine et nous avons une carrière. Et qui dit usine, dit nuisance. Qui dit carrière, dit dégradation. Et c'est là toute la problématique RSE, toute la problématique de la responsabilité sociale se retrouve là. Et pour gérer, au sein de notre groupe, nous avons mis en place une politique de bonnes pratiques que nous avons développée. Mais le café de ce matin nous a permis d'avoir des échanges avec d'autres entreprises, d'avoir des échanges sur les pratiques d'autres entreprises qui nous seront vraiment utiles dans le futur. Les actions de bonne pratique de ces entreprises sur le terrain témoignent de leurs efforts dans le processus de mise en œuvre de leurs responsabilités sociales et environnementales, surtout dans un pays où il n'existe pas un cadre réglementaire à ce sujet. Avec la redynamisation de l'ABE qui est en cours, je crois que cette responsabilité sociale et environnementale de l'État sera encore plus affirmée. Les sociétés sur place vont se diriger progressivement dans cette direction pour que nos ressources soient bien exploitées et pour que la société, les entreprises, pour que tous ceux qui interviennent dans la société également puissent en bénéficier pour le bien de la nation et pour le développement durable du pays. Le prochain rendez-vous du Café RSE est pris courant mois de février 2019. Les entreprises désireuses de mettre en lumière les actions de bonne pratique RSE peuvent s'annoncer auprès des organisateurs de cette initiative.